deux batailles. Premier but lié que nous voyons, c'est que chaque membre de l'Église est capable d'atteindre l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Chaque membre de l'Église, avec l'équipement que mon Dieu bat nous, des divers dons que mon Dieu bat nous, et lui capable de mener nous pour nous atteindre l'unité dans la foi et aussi dans la connaissance du Fils de Dieu. Deuxième but, c'est que nous pourrons devenir matures à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Ça veut dire nous grandir, nous pas été bébés dans la foi, nous pas été bébés dans l'évangile, nous grandir au fur et à mesure. Nous tous, chacun de nous, on est tête. N'a pas gardé une autre. Par contre, quelle expérience vous faites avec Jésus? Ou ne doit pas connaître ça vous fait avec Jésus. Mais il est important pour que nous apprenions toujours de Jésus, parce que nous sommes disciples, nous disciples, par exemple, ce qu'on apprend de maître qui est Jésus-Christ. Donc, puis, passant ça, et aussi des dons spirituels que bon Dieu va nous, c'est pour nous capables unis ensemble. Saluer capacité nous, donne talent nous, pas là pour diviser. Ou bien non, il n'est pas là pour que nous servions avec elle, pour nous montrer le monde ou l'autre monde supérieur. Mais de préférence pour ses serviteurs, lorsque nous donnons, bon Dieu va nous donner les dons spirituels. Nous devenons serviteurs de l'Église, serviteurs des autres. C'est ça que nous. Finalement, nous devons nous pas de vérité timide spirituellement. Nous devons qu'elle a grandi qui prend growing and growing more and more. Amen. Nous obligeons de grandir. Ça nous dit qu'on fait hier. Je veux dire, il faut réfléchir. Pour qui ça nous a l'aise à faire tout. Ça qui était un défaut de caractère. Pour qui ça nous, malgré que nous avons prié, bon Dieu, tempérament nous pas changé. Nous toujours orgueilleux. Nous toujours en colère. Nous toujours guérir dans le cœur. Nous toujours contents lorsque nous gagnons une bataille, nous gagnons un problème. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu ne travaille pas. Peut-être le cœur, ou bien le temps. Nous devons qu'aimer avec le Seigneur pour nous grandir de jour en jour. Don't be like immature children, says the Apostle Paul. C'est pour un jour pour nous camper, pour nous dire, on connaît côté nous t'aillé. Je connais comment tu as fait. Je connais ce qui passe là aujourd'hui. Si c'était longtemps, tu as chaviné ta blanche. Mais je dis à vous sans le coup. Parce que bon Dieu travaille dans la vie. Lui aide pour être capable d'unir avec frère dans la patience, dans la charité et aussi dans l'humilité. Il n'y a personne comme ennemi en dans l'Église de Dieu. Nous ne pouvons pas penser nous au-dessus de aucun monde. Nous ne pouvons pas penser que bon Dieu a une autorité pour nous condamner, nous nous voulons. Mais de préférence, nous nous baillons la main, l'un à l'autre. Quel que soit chrétien nous rencontrer dans la communauté, dans l'autre église, dans l'arbre de grâce, on nous essaie qu'on est. Bah, la possibilité pour l'évoluer. Bah, la possibilité pour le grandir tout. Bah, le ministère pour le faire. Testez-le, essayez-le. Pas de possibilité pour lui grandir. Parce que bon Dieu décide qui est-ce qui vous serviteur tout bon. Qui vous le baille donc? Li baille donc ça. En nous mettant nous ensemble. Pour l'église avoir de grâce capable de nous pouvoir. Pour nous tous connaître, nous sommes membres de nos seule famille. La famille de Dieu qui est l'église d'avant. Amen. Le ciel nous soit béni. Amen.